Salut pilote. Donc, au lieu de vous montrer comment fonctionne cet hélicoptère qui est gratuit, je le rappelle, il y a trois boutons. Après, il y a le GPS et tout ça, mais c'est pareil que dans les avions. Donc, si vous voulez, on va pas passer des heures là-dessus. Je vais plutôt me concentrer sur le pilotage de l'hélico, parce que là, c'est déjà beaucoup plus tendu. Donc, moi, je sais pas si c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps sur Battlefield en hélicoptère ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est beaucoup plus limpide de piloter avec une manette que avec le Joy, le Palonnier et tout le Bataclan. Voilà, c'est un avis personnel. On est très précis, enfin vous allez voir. Hein, voilà. Donc moi je vais vous montrer avec une manette. Je trouve que ça colle super. Donc j'ai fait un petit tuto pour le paramétrage de la manette. Voilà, vous avez le lien en haut. Ok, donc les palonniers sont là, voilà, vous allez voir. Allez, donc on démarre. Hop, alors là, on appuie, les deux boutons s'activent en même temps. Alors, on a un réglage Xbox, basique et avancé. Avancé, les réglages... des palonniers et tout, c'est la galère, il faut avoir du matos paramétré pour. Donc, le mieux, c'est de se mettre en basique. Après, tout est tactile, hein, vous avez tout, vous pouvez allumer, hop, les lumières de la cabine, strobe, taxi, beacon, voilà, vous avez toutes les infos. Ça marche ça? Allez, ça marche, non. Putain, super. Donc, faut rappeler que c'est une version bêta, hein, là, on est à la 0.8. Théorie, quand on arrive à la 1, c'est la version définitive, voilà, la version finale, qui n'empêche pas des évolutions après, mais voilà. Donc, alors, on attaque le 1. Je vous ai mis un lien pour télécharger l'hélico, et je vous ai mis un lien pour les sons. Le gars, il a refait des sons, donc ça se télécharge à part, voilà. On attend. Vas-y Pichou. Bon, ça y est. Hop, on lance le deuxième. Voilà, il y a toujours pas qui se met en marche. Normalement, il faut attendre un peu, laisser chauffer hein, quand même. Là, on a les strobes. Si on a paramétré un plan de vol, hop, on clique ici. Voilà tout qui fonctionne. Batterie déchargée, pilote 1. Ah, il y a les d'accord. Ah, mais t'es, je viens de découvrir un truc. D'accord, tout apparaît là. Batterie discharging, alors là, est-ce que c'est ça? Oui. Ok, parfait. Ah ben là, il n'y a plus rien, donc c'est qu'on est bon. Là, ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. C'est vraiment important, hein, ce sont les gaz. Hop, je me mets bien, je me cale. Ok, bon. Too much. Ok, il y a le personnage à côté là, voilà, salut copain. Alors c'est pas numérisé top, hein, vous voyez les arrondis, tout ça et tout, c'est d'abord une version bêta et ça va nous permettre déjà d'apprendre à voler. Bon, alors, c'est parti. Donc toujours pareil, bien surveiller la vitesse, l'altitude et là sa puissance. Voilà, ce sont les trois éléments principaux. Ok. Allez, on monte les gaz. Ok, parfait. Hop. Wesh.
gauche et de côté, on vire de l'autre. C'est pas simple, hein. Le maintenir, c'est pas simple. Je sais pas s'il y a pas un peu de vent. Allez, on monte. Pour monter, donc, on monte les gaz. Quand on est en mode stable, hop, rotation comme ça. Allez, on monte un peu les gaz. Et là, on penche vers l'avant. Et on avance. Ouh, 20, 30, 40. Alors lui, il dit qu'il faut rentrer. Alors ça, j'ai pas tout compris. Il dit qu'il faut rentrer les... C'est ça, là ? Park brake. Ah, je savais pas qu'il y avait des freins de parc sur un hélico. Ok, parfait. Voilà. On avance petit à petit. Plus je vais pencher vers l'avant, plus je vais avancer. Il faut trouver l'équilibre entre la puissance et pencher vers l'avant. Le tangage, précisément. Donc une fois que l'on vole droite-gauche, pas trop la peine de faire le palonnier. Surveiller son altitude. Alors un truc que je conseille aussi, c'est de programmer les touches pour les GPS sur un clavier, parce que pendant qu'on vole, aller traficoter les trucs, c'est compliqué. Donc là, je veux maintenir une vitesse, je vais descendre un peu la puissance, je relève un peu le nez. Là, il y a quand même une colline, on va essayer de l'éviter. Et on va aller atterrir sur un terrain de foot un peu plus loin là-bas. Faut tout anticiper. Un hélico, c'est ça en fait. Là, par exemple, si on veut descendre, on ne descend pas, on accélère. Vous voyez ? Descendre, ça se règle avec le tangage avant-arrière et la puissance. Là, si je veux aller plus vite, je vais taper dans le rouge, tant pis. Je penche un peu vers l'avant, je monte la puissance. Hop, attends. Toujours avoir un œil sur l'altitude parce que c'est tendu et ça mouille. Voilà. Voilà, je l'ai pas branché, mais bon, le top ça veut le traquer, hein. Je m'en régale quand même d'années. Ok, je vais me stabiliser. Donc, pour se stabiliser, vers l'arrière, baisse la puissance, se met à 50. Vous voyez, j'avance encore, hein, je le vois ici. Ok. Voilà, je suis stabilisé. Donc il faut bien anticiper parce que en fait, il faut lever l'hélico, donc on n'y voit absolument plus rien. Allez, il est là, le terrain de foot. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil. Vas-y, plonge, petit, plonge. Pas simple, hein. Il est paramétré sans manette, hein, je le dis direct. Voilà, on va baisser là la puissance. Hop, j'anticipe, je vois à peu près où est mon nez.
stabilise. Allez, on descend. On descend. Maintenant que je suis à peu près droit. Je dois pas être loin là. C'est spécial, hein? Allez, je diminue la puissance. Petit coup d'œil, j'ai paumé mon terrain de foot. Si je l'ai paumé, c'est que je suis au-dessus. Ah, pull up. Ah, voilà, c'est parce que j'étais à zéro. Terrain de foot. Il a. Hop, un peu de puissance. On remonte. Ça fait 10 minutes que j'ai pris en main le bis-bis, hein, donc. Voilà. Voilà. C'est. En gros, tout se passe comme ça. C'est-à-dire avant, arrière et puissance. Puissance avant, arrière. On va vérifier. Là, on est calé, par exemple. J'augmente la puissance. Hop, je suis encore. Alors, pour se caler, vous avez. Ici, le petit rond vert. Vous voyez, quand il est au milieu, c'est qu'on est bon. Bah, ici, du côté opposé de la bulle, bah, c'est un niveau à bulle, le truc. Hein. Alors, je le répète, hein, là, vous avez bien compris, le truc, c'est qu'il faut que votre manette ou vos joy ou tout ça soit paramétré aux petits oignons. C'est beaucoup plus précis qu'un avion. Allez, gaz. Le truc, les hélicos dans Flight Simulator, c'est bien et c'est pas bien. C'est à dire que c'est bien, c'est un autre style de pilotage, ça va pas trop vite, faut vraiment, c'est super intéressant. Après, j'ai du mal à être objectif parce que j'adore les hélicos, donc voilà, mais bon, c'est bien. Le côté pas bien, si vous voulez, c'est que ce jeu, il a quand même été fait pour que les graphismes soient vus d'assez loin, d'accord. Donc dès qu'on est pris, il y a des endroits, c'est vraiment pas joli. Là, j'ai pris Bannière de Bigorre, Luchon. Bon, on est pas trop mal, mais on vole assez bas avec un hélicoptère, d'accord. Donc du coup, il y a certains endroits, c'est vraiment pas le top, quoi. Voilà. Donc bien choisir quand même les endroits où on va se balader, ok. L'hélico, c'est aussi un peu un appareil qui va coûter un peu des sous, parce que en fait, du coup, ça donne envie, et c'est ce que je vais faire. j'ai déjà prévu mon coup. Ça donne envie d'aller acheter des landmarks, des mises à jour parfois payantes de villes,
Voilà, pour aller se balader et tout et tout, quoi. Voilà. Donc, bien que là, vous voyez, dans le coin, on est en France, il n'y a pas eu encore la mise à jour. Bon, c'est pas dégueu quand même, hein. Mais voilà, il y a certains endroits, on voit les maisons, c'est mal fait, machin, et tout et tout. Donc, bien choisir des endroits où l'on va. Allez, j'atterris. J'atterris ici. Pour vachement anticiper par contre. Hein. À descendre, hein. Oui, je sais, j'ai mis tous les, je sais, c'est pour le pull-up, voilà, je sais. Donc pour atterrir, vaut mieux quand même un peu anticiper son coup. Je sais pas du tout où je voulais aller là. Ah non, c'est là, ouais. Ah ouais, je suis pas si loin. C'est un peu violent, mais c'est ça. Eh bien, écoutez, les enfants, voilà, j'ai préféré me concentrer sur le pilotage que sur les fonctions de l'appareil. Bon, hein, voilà, il n'y a pas grand-chose à découvrir, hein, faut dire ce qui est. Pour ceux qui ont un peu l'habitude quand même de l'avion, hein, voilà, vous avez des trucs qui correspondent. Très peu de boutons fonctionnent encore pour le moment, hein. C'est normal, mais voilà. Mieux vaut s'entraîner quand même à voler avec un hélico. Allez, mais écoutez, voilà, hein, ciao, à bientôt, éclatez-vous bien. Un petit pouce bleu pour Tonton Fredo.